On continue le montage de ce BXR S1 version kit. Alors euh, là, on arrive aux bavettes. Alors, les bavettes qui sont, alors, je peux vous dire, c'est méga rigide. C'est vraiment du balèze. Hein. C'est euh, même celle-là qui est pourtant euh, pas mal évidée. Elle est vraiment très rigide, hein, j'ai beaucoup de mal à, ça bouge à peine. Euh, par contre, ça, alors donc ça va être ça a bien participé à la rigidité euh, du châssis. Ça va aussi bien protéger les éléments, mais par contre ça pèse un peu son poids. Alors justement, pour ceux qui voudront faire éventuellement un peu de course de ligue avec ça, euh, il y aura moyen sûrement de gagner à ce niveau. D'ailleurs, je vais peser les bavettes indépendamment pour voir à peu près, euh, pour me rendre compte du poids. Et on va contrôler, on va commencer par la bavette qui accueille toute l'électronique. Hein. Donc elle est à 44 grammes. Et la bavette qui accueille euh, la batterie, elle est à 54 grammes. Donc en fin de compte, on a euh, 100 grammes hein, quasiment. Euh, juste pour les bavettes, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, je pense que... Euh, ceux qui font de la, qui veulent faire un peu de compétition, gagner performance, ben, il y a moyen d'alléger, hein. euh, sans perdre trop de rigidité. Il y a au moins, euh, ça doit être possible de gagner une vingtaine de grammes, facile 20, 20 25. Alors j'ai commencé à monter la bavette, j'ai arrêté rapidement parce que je, je voulais voir si ça passait au niveau du triangle. Vous voyez ici, parce que la bavette, en fin de compte, elle, elle offre une très bonne protection, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Et là, ils sont allés le plus loin possible, mais je pense que c'est un peu trop loin. Ça touche un peu le triangle, ici. Alors, c'est même, la même chose de l'autre côté. Alors là, je l'ai déjà modifié, hein, la bavette. De ce côté, j'ai enlevé à peu près euh, 3 mm de la bavette, un coup de cutter. Je l'ai retiré, et là, ça touche plus du tout. Et ça ne gêne pas trop pour la protection. Hein. Je il faut laisser un jeu... Autrement euh, ça a frotter et bon ça, ça peut légèrement brider euh, la suspension et c'est pas ce qui est recherché. Voilà, donc il suffit de retirer ça et après nickel là vous voyez si je le mets en place, si je le cale. Alors là on peut voir que c'est quand même bien ajusté hein, parce que ça se glisse bien euh, sous le palier alu. Là c'est bien calé et on voit qu'il y a un léger jeu au niveau euh, entre le triangle et la bavette. Allez, je vais le monter maintenant. Allez, les bavettes sont montées. Alors on peut voir là, comme j'ai recoupé, maintenant il y a du jeu avec le triangle des deux côtés. On hein. voit encore mieux peut-être ici, je ne sais pas. Alors les bavettes, ça tombe bien en face, c'est nickel. Alors à savoir qu'il y a des, plusieurs vis de livret hein. il y a des 3-8, il y en a 8 et il y a une seule 3-6. Et la 3-6, en fin de compte, c'est pas très net où euh, elle se monte, mais moi je l'ai montée ici. Hein. Là c'est l'emplacement où vient se mettre le contrôleur. Donc histoire dans l'angle la 3.8 8 à pouvoir gêner. Donc j'ai monté la 3.6 à cet endroit. Voilà, donc les bavettes sont montées. On peut voir c'est méga rigide hein, comme montage. Donc vraiment ceux qui voudraient, euh, qui ont besoin vraiment d'alléger, on ne sera pas très beau, mais il y a moyen de le faire euh, à ce niveau-là. Hein. On peut gagner un petit, tout petit peu de poids. Et autre chose, hein, comme j'ai monté l'option euh, palialu une dévisse de la bavette. Comme la bavette, elle est prisonnière, enfin le entre le châssis et le palier ALU bien sûr il y a une dévisse euh, qui est en dessous là celle-ci et non c'est celle-ci plutôt et donc qui vient se loger directement dans le palier ALU. Alors, au début je voulais mettre un peu de frein filet mais comme la bavette là euh, le trou est un peu plus petit ça joue euh, enfin compte le rôle de ni stop. Voilà, donc ça risque pas de se desserrer. Allez, maintenant la prochaine étape, ça sera l'étape 15, alors une étape euh, Importante, là, il y a quelques options hein, qu'on pourra présenter éventuellement. Alors, je ne les ai pas toutes avec moi, euh, mais euh, il y a quelques options qu'on peut monter. Ça va être le système de direction. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous pour l'étape 15. Alors, l'étape 15 pour le du montage, toujours du BXR S1 version euh, kit. Donc, là, on va monter le système de direction qui est monté sur roulement et il y a pas mal d'options à ce niveau comme les bras le sauve servo aluminium la barre de direction enfin barre Kerman elle est aussi en aluminium allez on va regarder ça de plus près on va détailler un peu les éléments qui composent ce système de direction alors déjà hop on a la platine de sauve serveau en plastique assez rigide et ici il y a le plot et on peut voir qu'ici, il y a une empreinte hexagonale, et là aussi, donc ça permet. Ça, c'est plutôt bien vu parce que ça évitera souvent les plots, comme ça, ils peuvent tourner. Euh, là, ça ne sera pas le cas. Donc, ça, c'est pas mal. Ici, vous avez toutes les pièces plastiques qui composent le système de direction, notamment le sauve-cerveau. Vous avez la pièce qui accueille donc le sauve-cerveau hein, avec euh, son ressort et sa molette filetée qui va permettre de régler sa dureté, ça c'est un point assez important. Là on a une partie hexagonale parce que ça vient rentrer dans la partie qui est solidaire. Hop hop, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, vous voyez. Là aussi on retrouve la partie hexagonale. Ici, alors toutes ces pièces là que je viens de vous montrer en plastique, je crois que je les ai pas avec moi parce que actuellement c'est des pièces, les options se vendent pas mal et j'ai pas réussi à tout récupérer. Je les avais récupérées s'il me les a redemandées, parce qu'il avait un colis à envoyer. Alors donc c'est que partie remise, hein. je vous représenterai ça plus tard. Mais de toute façon c'est pas des pièces que je voulais monter sur ma voiture, hein. donc c'était les. Par contre cette pièce peut-être que je la montrerai, on verra. Donc ça c'est la barre de direction hein. et euh, dessus viennent se fixer les rotules. Et euh, celle-là elle existe aussi en aluminium. D'ailleurs en aluminium elle est toute fine, c'est une assez belle pièce. Qu'est-ce qu'on a aussi On a les roulements. Alors ici vous avez les roulements, les quatre roulements. Ils sont tout petits, c'est du 4 x 7 x 2,5 donc une épaisseur de 2,5 un diamètre extérieur de 7 un diamètre intérieur de 4 voilà donc c'est ce roulement et là on a les axes euh, du système de direction donc c'est du 4 mm aussi voilà donc ça bien sûr on le fixera plus tard ici vous avez les pivots vous avez les rotules et ici vous avez des entretoises et là on a donc tout ce qu'il faut pour faire euh, notre montée notre direction allez on va se lancer dans le montage Allez, le plot il est monté sur la platine de cerveau Et comme on voit, alors euh, c'est pas indiqué sur la notice, hein, mais euh, on va mettre une vis 3x8, euh, je crois. Euh, non, 3x10, hein, j'ai mis, voilà, parce que c'est la seule qu'il y avait en RAB. Hein. Euh, je vous dis, il y a certains points, la notice, c'est vrai que bon, pour des gens qui font de l'ARC déjà... Et même pour les autres, je pense qu'il n'y aura pas de gros problèmes. Après, il faut un peu deviner. Mais je pense qu'il y a eu quelques petits oublis sur certaines indications. Et comme euh, sur une étape précédente, des fois, il y a certaines options. Maintenant, il y a eu des évolutions et qui apparaissent pas spécialement sur la notice. Et donc, grâce à l'empreinte la, hexagonale, ben, l'avantage, c'est que ben, ça ne risque pas de tourner. Donc, ça, c'est un bon point. Allez, maintenant, on va monter la partie sauf cerveau. Allez pour le montage de la partie sauf cerveau, donc on a la partie hexagonale ici, qui rentre donc dans l'empreinte qui est ici. Alors ça s'enfonce assez profondément, hein, ça va assez loin. D'ailleurs, ça bouge un petit peu, souvent c'est assez serré, là ça bouge un petit peu, mais normalement ça ne devrait pas jouer sur le fonctionnement une fois qu'elle ressort. Après, ici j'avais monté euh, la biellette hein, déjà sur euh, le bras de sauve-cerveau. Donc on le met à l'opposé. Tac. Le ressort, et là c'est là qu'il va falloir peut-être un peu forcer. Alors, comme vous voyez, comme il est assez loin, la pièce en alu, je vais mettre ça, ça va me permet de maintenir. Et vous voyez, le ressort il dépasse pas, donc il va falloir forcer. Hop, c'est bon. Normalement, voilà, nickel. Donc, on va le serrer, et eux ils préconisent un réglage de 2,5 mm. Voilà, si ça force. Là, je vais voir déjà si ça fait encore sauf cerveau voilà 2,5 mm euh, je ne sais pas Allez, on va mesurer j'ai un mm et déjà je trouve que je pense que j'aurais du mal à aller plus loin Allez, on va... justement ma fameuse petite pince à lui d'ailleurs qui s'est desserrée ici j'en profite pour la réparer un peu et je vais m'en servir pour Éviter d'abîmer la molette, Allez, on va essayer de monter à 2,5, mais 2,5 ça fait comme s'il était quasiment bloqué. On voit bien que sur là, euh, Ouais, on va dire qu'on est à 2,5, on est bon. Et là, au niveau sauf cerveau, ouais, c'est hyper dur quoi. Ouais, je me demande si c'est pas euh, si on fait comme ça, s'il n'est pas carrément bridé. Alors, ce que je vais faire, bon, faut dire, moi ça me gêne pas hein, parce que sur un un TT un dixième, je ne suis pas sûr que c'est euh, euh, avec les cerveaux qu'on met maintenant, surtout que je vais mettre du balaise euh, je pense pas qu'on risque de péter les pignons, mais euh, allez, je vais comparer ce que je vais faire je vais regarder comment ils ont fait sur la version RTR, comme j'ai un RTR à côté parce que là c'est un peu mystérieux alors je viens de regarder sur le RTR pour comparer, et en fin de compte ouais, elle est vachement serrée la molette donc euh, ben, en fin de compte ils condamnent quasiment le sauve-cerveau, parce que là, il bouge. Euh... Il, il bouge pas, quoi. Je veux dire, c'est. Euh... D'ailleurs, il faudra que je regarde l'option. Comment elle est faite Est-ce que c'est une option rigide Moi, je vais le desserrer un poil, quand même. Hop. Ouais, ça joue vraiment pas sur grand-chose. voilà bon, hop, moi, je le bride. De toute façon, c'est ce que je fais souvent sur les dixièmes. j'ai serré. et on va le laisser comme ça. Voilà, nickel. Et euh, donc maintenant on va prendre, on va monter la barre de direction. Alors la barre de direction, j'ai aussi déjà monté euh, les rotules des deux côtés. Alors moi une petite astuce, hein, parce que j'ai vu qu'il y en a qui galéraient pour les serrer. Ce que je fais, moi souvent je prends une vis et je fais le filetage hein, avec la vis, c'est plus facilement avec la clé. Comme ça, quand on a des pièces genre là, comme une rotule à installer après. Euh, c'est quand même vachement plus facile de partir droit et euh, voilà, c'est quand même plus facile de, ensuite de monter les rotules en faisant comme ça. Et maintenant on va monter le reste. Alors pour le montage de la barre de direction sur les renvois, euh, déjà, il faudra utiliser le frein filet hein, que j'utilise tout le temps, euh, ça que j'ai pris à Cyril de Manistrand 34, il faudra une clé de 6. Alors, je sais pas pourquoi une clé de 6, euh, c'est vrai que ce serait bien quand même que les les Fabricants, les concepteurs, ils standardisent un peu euh, euh, l'utilisation euh, des clés. Alors là, faut du 6, il faut du 7. Faut, euh, et là, en fin de compte, le petit insert ici, le pivot, en fin de compte, il faut une clé de 6 pour le maintenir en place. Et donc, lui, alors sur la notice, c'est pas bien clair. Ils euh, ils disent pas de le monter au frein-filet. Voilà, moi je l'ai monté déjà pour vous montrer. Alors donc c'est pratique, hein. d'un côté vous tenez l'insert qui est métallique ici, et de côté avec la clé vous pouvez serrer. Et euh, donc bien sûr il faut s'assurer d'une parfaite liberté, comme c'est ici. Et moi donc j'ai mis du frein filet, parce que c'est un endroit, euh, enfin ça pose se desserrer quand même. Et euh, comme d'habitude, hein, je ne mets pas le frein filet sur la vis, parce que autrement ça va déborder, ça, va se mettre, ça risque de se mettre ici. Donc ça veut dire de brider la direction par la suite. Moi je prends un peu de frein filet que je mets au bout ici. Et je le mets à l'intérieur directement du filetage. Voilà, comme ça on est sûr que ça restera à l'intérieur, ça ne va pas déborder. Parce que vous mettez, si vous mettez la vis, automatiquement ça va déborder sur les côtés. Et, et ça va aller ici entre le plastique. Et donc par la suite, ça bridera la direction. Et après, euh, bah, bien sûr, ça fait une direction qui est dure. Et euh, sur le moment, on a l'impression que c'est bien libre. Et une fois que ça a durci, euh, le frein filet, bah, ça bride tout. Et on peut niquer un sauveur, le cerveau, on, peut, on a une mauvaise tenue de route. Donc voilà utilisation du frein filet donc ça se met comme ça voilà, il y a le truc et de côté on met la pièce voilà la vis et ça sera nickel et bien sûr bien s'assurer de la parfaite euh, liberté monter la dernière partie là alors déjà premier truc assurez-vous que la pièce là moi sur celui-là c'était pas parfaitement libre j'ai mis un petit coup de fraise là euh, fraise conique hein, l'outil que je vous avais conseillé dans nos vidéos euh, Spécial outillage, et juste parce que d'un côté ça bridait un peu, là vous voyez, c'est parfaitement libre, donc là c'est nickel, il n'y aura pas de problème. Donc, hop, 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 un peu de frein filet, vous voyez, je l'ai mis juste ici, le frein filet, moi je fais comme ça, voilà, je le mets directement sur le filetage, voilà, comme ça, ça ira pas sur le plastique, hop, la vis. Tac, tac, voyez ouais, ça se monte bien. Hein. Hop, bon, moi je le fais à l'aveugle en plus, c'est pas hyper pratique. Et là, on va serrer en évitant que ça bride. Hop, là ça bride un peu. Alors je vais desserrer, c'est pour ça qu'il faut du frein filet, parce qu'en fin de compte, on peut pas serrer vraiment à fond. Voilà, c'est pas mal. Allez, je vais desserrer un peu encore. Alors donc, si on le met sans frein filet, j'ai peur qu'après, euh... voilà, ouais, c'est pas mal là, c'est bien. Nickel, voilà donc les deux côtés c'est monté et il reste plus qu'à. Euh, alors, si je suis euh, l'étape 15, euh, eux ils montent directement les roulements, ils montent euh, tout ce qui est euh, les axes et la platine de sauf cerveau directement dessus et ils montent l'ensemble ensuite sur le châssis. Et moi, je vous avoue que ça, ça me. Pas trop, il y a plein de kits, c'est comme ça qu'on fait. Bon, je dois être bizarre, <laughs> c'est sûrement ça. Euh, moi, je préfère monter les axes bien solidement sur euh, et avoir euh, notamment grâce à la pince en alu, pouvoir bien les tenir sans les abîmer et bien les fixer, les serrer bien au frein filet et que le reste soit plus facilement démontable. que Ça se démonte par le haut. Ben, moi, ça me paraît un peu plus logique, surtout quand veut accéder euh, rapidement à la cellule. Donc, pour moi, l'étape 15 elle va s'arrêter ici. On fera le reste à l'étape 16.